MG, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pas souvent qu'on se retrouve en soirée, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs spectateurs, je vous présente Pool Party, lobby d'Halloween, made by Isto, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau lobby. Voilà à quoi servent vos subs, exactement. Oh, what the fuck? C'est trop stylé. Champion des fruits de Pool Party, votre quête démarre ici. Ouah, regardez ça, c'est incroyable. OMG. Allez, mesdames et messieurs, ça se lance. Ce soir, nous allons jouer 5 maps exclusivement faites pour cette édition de Pool Party. On commencera par, en 1, la map de Talion. Chauve-qui, on voit pas, suivi de Buried par Antao, suivi de Knight, on voit pas, par Chimetix, suivi de Pool, on voit pas, par Cobble, et suivi de Ghosto par Qui nous rate. Vous avez des petits spoilers avec les images. Waouh. Ah, j'ai envie d'hurler, mais vas-y, ok. Allez, première map, Spooky Party par Talion, et je suis Team Fraise. La Team Fraise, bonsoir. Bonsoir. Rakakax. Guillem, Lightcrow. Ok, nickel. Ça va ou quoi? Bien, vous? Ça va. Ouais. Salut la compagnie! Oui! Yo, Toto! Yo, Tom. Tom, c'est suffisant, je pense? Ouais, très bien. Nickel, trop stylé. Oh là là, j'en peux plus, j'ai trop hâte! Oh là là. Ok, faut que je me connu sous le nom de Mange-moi le bolet. OMG, Mange-moi le bolet. Mais non. Eh oui, messieurs. Mais parce que du coup, Thomas, c'est ton nom de scène? C'est mon nom de scène. C'est ton nom de scène. T'es en live ou quoi? Yes. Ah, trop bien. Bah, ça fait une POV de plus à aller checker pour cette édition. Win POV. Oui, bah évidemment, j'espère bien. J'espère bien. Oh, Talion, il a mis des fantômes. OMG. Ok. OMG. Mais du coup, c'est ta première participation, non? C'est ça. Okay. Le dimanche à midi, je suis pas très frais, quoi. Ouais, mais là, je suis au max. Là, j'ai les perfs au max. Là, c'est bon, c'est ton horaire. Ah là, vous êtes pas prêts. Hein. Bon, ben, on commence par un premier gigantesque banger, visiblement. Donc, non, ça fait plaisir. J'ai juste pas compris la fin, là. Faudrait juste que je sache où aller. Faut revenir sur la route. Ok, en fait, le checkpoint 8, ma brain, mais... Oh. Il y a plein de risques, ouais. Il y en a pas mal. Ah, il y a un hard finish. Il y a un hard finish sur le côté à droite, si jamais je vous spoil un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez vu le 3-2-1 du départ? On est parti! Let's go! Allez, soyez fort, la team. Mais non. Tous les points comptent, à toutes les positions. Ne t'inquiète absolument pas. C'est le but de ce mode-là. C'est injouable de mon côté, hein, vraiment. Pourquoi? Bah en fait, j'ai un setup un peu douteux, du coup bah... Même le setup, il a peur de lui-même, c'est ça? Non mais faut pas en parler, parce que... Ok. Fais comme tu peux, t'inquiète pas. Ouais, le setup douteux. Non mais il y a des gens comme Bolet qui sont au courant et qui savent comment je joue. Ok, bon en tout cas, mais... Qu'est-ce que t'as dit? C'est Guilhem? Je suis avec Guilhem là? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Pardon, je suis full focus. T'inquiète. J'ai dit, toi, tu connais mon setup, tu sais pourquoi ça peut bugger. Ouais. Oh non. Attends, j'ai complètement oublié la fin. Ouais, il y a des flèches qui ont pas load, je sais pas trop pourquoi, mais... Oh là là. Oh les gars, je suis tellement nul, je suis désolé. on a tous été un peu bancal sur cette première run. J'ai un mal de chien avec le start, hein, genre vraiment. Ouais. Vrai. Là, il y a une line un peu chelou. J'ai l'impression qu'il faut bien prendre inter. Ouais, c'est ça. Ok. En vrai, par contre, le simple fait de pas faire d'erreur, ça permet d'être déjà globalement bien positionné. Bah, je viens de crash. Let's go. Let's go. Super content. Ok.
Putain, je me fais toujours avoir à la fin. J'ai trop envie de regarder la map un peu dans le détail de la déco là, parce que... Putain, t'as Lyon, tu t'es donné, hein, putain. Ouais, de haut, la map, elle est assez simple, je dirais. Mais il y a beaucoup de détails de plein de trucs. Hein. Ouais, il a mis plein de petites bougies de partout. Il a quand même mis un pingouin, parce que pourquoi pas, finalement, c'est Halloween. Round 3. Ok, c'est la run, les boys. C'est la run. C'est bon, je me sens un peu plus à l'aise avec la map, là, ça fait plaisir. Ok, je suis en turtle, c'est pas la run. Let's go, c'est la run, mon gars. C'est... Trop plaise. J'arrive pas à me souvenir de là où est, mais... La scénerie, ça perturbe un peu, en vrai. Ok. Ça va. Ouais, c'est bien passé, hein, merci. Ah, enfin, pour le coup, je dis, ah, ok, c'est beaucoup mieux. Ouais, en vrai, c'était plus logique, au final, mais... Ok. Je trouve ça cool parce que je pense que la hardware elle est plutôt accessible. Un peu à vous de me dire aussi ce que vous en pensez. La hardware du début là où on saute à droite dans la toile. Ouais, elle est accessible vraiment. Elle m'a pas l'air non plus trop chute. Ouais, elle est free, elle est free. J'aimerais bien dire oui si je pouvais voir ce que je faisais. Non, c'est bon, j'ai téléchargé la map dans ma tête, là. Moi, je suis dans le flou total, par contre, là, mais... Bah, c'est le flou du setup douteux, hein. Non, mais dis-toi que je joue sur tel avec un cloud gaming, alors là... Non. C'est vrai. Si, je te promets. Non. Si, je te promets que c'est vrai. Bah, c'est pas un setup douteux, là, c'est... Là, mais c'est de n'importe quoi. Je suis sur les contactiles de mon frigo, là. J'arrive fort. Et quand je dis que quand j'ai pas une bonne cause, ça bug, c'est que c'est pas juste du ping, c'est... Ah c'est oui, non, mais tout, là, je comprends mieux, hein. Je comprends mieux. Hein. Bah du coup, je souhaite aux gens qui finissent derrière toi de ne pas regarder la rediff et de ne pas avoir cette information. D'arrêter le jeu, précisément. Et puis peut-être de rester en spec. Hein. Non ! Non, j'ai crash le dernier... Oh non. Le CP du départ est pas dans le bon sens. Ah ouais ? Ouais. Oh, c'est un petit troll, ça. C'est peut-être voulu, après, je mais... Je troll au même turn à chaque fois. Non mais... 100% il fait exprès pour me hint là. Non. Non. La dernière run est cadavérique de mon côté. Ça fait trop plaisir. Je suis trop heureux là. Ça s'entend, non? Faut aller où là? 58ème meilleur. Il faut aller 5ème round. Mais les gars, faut aller où là? En vrai, ouais, moi je trouve la way elle est très pool party. C'est vachement accessible. Il y a quelques petites hardware, safeway machin. Elle est, je dirais, assez technique dans les trajectoires. Pas non plus, tu sais, méga large en mode trop facile. Mais la scénerie est vraiment, vraiment très, 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 très chouette. Team Coco qui remporte cette première map. Nous sommes sur Spooky Party de Antao et je suis Team Kiwi. Les gars, régalez-vous bien. Bonne chance. Merci et je vous dis à plus tard. OMG, la Team Kiwi. Ah bah non, bah au revoir. Ah bah au revoir la Team Kiwi. C'est où les melons? C'est où les melons? Merde. C'est où sont les melons? Où sont les oranges et les melons? C'est... Eh, ce marché est trop mal organisé. Hein. Vraiment, c'est grave. Hein. Comment ça va, les gars? Bah ça va trop bien. Et bonsoir. Ouais. Bonsoir. C'est mon deuxième pool party, je suis trop content. Oh, let's go. Je suis le meilleur pote d'Antao, donc en plus... Oh là là. Attends, quand... Magnifique. Attends, et du coup, il t'a obligé à participer à pool party, du coup. Alors, il m'a pas obligé, il m'a dit... je lui ai demandé, on fait quoi ce soir? Il m'a dit, non, je sais pas.
Alors et la puis, vilaine soirée d'Halloween, bah, les gars. Bah, là, attends, mais ça régale, moi, je suis trop content. Ah, vraie soirée de gaming là. Oh, non, mais attends, mais c'est quoi cette map de zinzin là en Tao? Non, mais c'est un peu furieux. Ah, le hard finish. Oh, vrai hard finish par contre. La fin, vous verrez quand vous y serez, mais il faut de la speed. Ouais. Oh la map. Passant à droite, il y a l'air d'y avoir un peu de place quand même. Bon bah GL hein. Et comme d'hab, hein, si certains ont des petites questions ou quoi, ou un passage qui vous embête, n'hésitez vraiment pas. Pour l'instant, ça va. Ouais, non, ça va. Je pense qu'il faut accepter de ralentir sur certaines sections si... Tu sais, si ça se passe pas très bien, mais... Mais sinon, ça va. En fait, j'ai l'impression que des fois, tu sais, quand on joue des maps plus rapides, il y a des gens, même débutants, qui vont mieux s'en sortir que sur une map qui va être un peu plus technique, et vice-versa, en fait. Du coup, c'est difficile de savoir. Oh, la team pêche ! Oh, bah, on est dans la merde, hein, vu la team pêche, on est dans la merde. Par contre, on fait une trop belle perf notre côté, là, GG. J'ai envie de mourir, j'ai fait spam au risque. Bah, franchement, là, la map d'Antao... J'ai un bind, ma touche break, là, c'est bon. Oh, j'ai pas le premier turn, j'arrive pas à bien le faire. Il est pas facile. Il y a une gear qui... J'ai l'impression qu'il faut faire un exter inter tout droit pour passer la gear, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est assez bizarre à voir en tout cas. Ouais, on t'a ouvert vraiment la map et la gear est trop mal calculée, sérieux. Je pense que c'est un argument pour mettre moins. Oh non, non. Oh putain, je suis trop... Non, 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 non. J'aime trop la map, j'ai pas envie d'être nul sur la map. ça vous fait putain, pas... Putain, je suis plus violent. Oh, tu fais quoi, là? Bah ouais. Ok, c'est bon. Mais vous êtes trop fort. Non, mais par contre, on a une team pour faire une vraie perf, là. Je suis choqué de la map, elle est trop belle. Et le screen que AQLX a fait a l'air trop beau, aussi. Allez, encore un premier virage de merde pour moi. Je bouffe la gear. J'ai l'impression qu'il faut même genre release ou break volontairement. Oh sais. Putain. Ouais, j'ai l'impression. Oui. Non. Ok. Je télécharge la map dans ma tête là. Charge. Et je peux vous dire qu'une fois ça fait, ça va envoyer du lourd. Ok, je continue de la télécharger, hein, les gars. Ah, quand télécharge là, ah oui, d'accord, ah ouais. 5, là. Ouais, je suis dernier. Je suis dernier de la team. Non. Faites pas trop les malins, je vais vous doubler à la fin, je pense. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On est combien? Deuxième. Il est juste devant toi. Bon, c'est bon, la map est téléchargée. Enfin, je suis plutôt confiant vis-à-vis des Way. OMG, j'ai un bon start. OMG. Je suis equal PB premier checkpoint, ça c'est fou ça. Non, non, c'est pas possible. Au moins la map est ARP avec le jogger sort ce matin. Non, c'est vrai. Je fais nimpe, je me dégoûte. Je croyais que t'avais la map là. Mais ouais, mais j'ai crash dans une tombe. Mais putain, j'arrive rien. J'arrive à rien. Non, dans la gear. Ok. Ah non, c'est pas ok. Ah, bah j'ai pu avoir le hard. Et le hard finish d'ailleurs, si vous sentez que vous avez pas trop de vitesse, le sauter légèrement à droite du jump. Pourquoi je suis dans toi, Wingo? Mec, tu sais, moi je joue plus trop à Trackmania. Hein. Oh, comment ça? J'ai eu la gear. Ouais, faut genre... J'ai su un. Genre un trick pas bizarre. Moi j'ai release un input. T'inquiète, je suis à fond. Je vais assurer de gros points, vous inquiétez pas.
Nice. 166, oh. C'est une coïncidence. C'est dans la thématique, hein. La map est très... Et représente bien le mappeur. Hein, parce que oui. Il a déjà fait des maps et... C'est vrai. De toute façon, j'aurais pas pu checker les maps avant. Je me suis fait kick de la conve, donc... Oh, il y a Glast. Ah, il y a Glast. Ah oui, il y a Glast. Qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas, le dimanche à midi, donc peut-être que ça l'arrange aussi. Mesdames et messieurs. C'était un plaisir. Ah, c'était très cool. J'ai adoré cette team. Je m'adore très fort. J'ai adoré cette team, surtout, oui, parce qu'on a fait podium. Bien sûr. Team Melon, on est sur Spooky Party, map de Chimetix. Les gars, je vous dis à toutes. Amusez-vous bien. Bisous. Il reste 50 secondes, donc on va voir. Parce qu'au pire, on pourra peut-être faire un effet flaco. Ok, ouais, donc là, moi, je meurs plus non plus. Genre, ouais, niveau FPS, c'est la merde ou... Ah, vraiment, hein. Moi, mon côté, c'est... C'est vrai que moi, j'en ai seulement 70, franchement. J'en ai 28, ça va, les gars? 28, c'est chiant, par contre. Ça va pas m'empêcher de finir dernier. Non, mais elle est belle, c'est bon, ça compte. C'est bon. C'est bon, c'est parfait pour ça. Là, oh, la fin. Il nous a fait une petite speed plastique. Ouais. Ah ouais, la fin. Ah ouais, ok. Un peu de speed. Enfin, faut une bonne line. Ah, la fin, j'avais pas vu le... Ok. Ah, si pour les FPS, c'est la merde, c'est dommage. Parce que la map est... Elle est très très belle. Ouais, genre, il y a tellement... Il y a tout. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, on est en round 1. Ah, mais j'ai l'impression... Ah, mais... Non. Non, j'allais dire, j'ai l'impression que les interfaces ont... avaient freeze, mais je sais pas. Non, ça va. Ah, du coup, c'est pénalisé. Dit des bons join lag TM2, c'était parfait. De ouf. Tu me diras, même sur ce jeu, on les connaît bien, ces join lag. Mais... C'est vrai. Le seul avantage, par contre, c'est que si quelqu'un crash ou quoi, bah, comme on est whitelist, ouais, c'est ça. C'est pas trop embêtant. Oh, j'ai touché sur la fin. Oh non. Mais ouais, bon, c'est ça qui est triste, c'est que en solo, il avait 60 FPS, ils avaient corrigé les lags. Et le truc, c'est que du coup, sur serveur... En fait, le truc, c'est que là, cette situation n'arrive parce qu'on est sur serveur avec 100 personnes. En dehors de ça, en fait, ça arrive pas. Et donc, du coup... C'est comme il y avait des maps kaki où, par exemple, dès que tu dépassais les 100 personnes, ça laguait de fou. Oui. Bah, moi, de mon côté. Et en fait, c'est certains éléments qui font ça... Alors après, je sais pas si, par exemple, les blocs qui bougent ou quoi. Et il me semble que ça jouait beaucoup dans les potentiels FPS perdus. Mais là, du coup, je sais pas s'il y en a ou pas sur... Parce qu'il me semble qu'il y en avait beaucoup à la base. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ah si, je viens de voir une roue, là. Oh non, j'ai tapé le rebord du checkpoint, putain. Je vais vous venger. Allez. Allez! Oh putain, non mais oh! À un centième là, qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est. Ouais, hein. Ah, my bad. Oh. Ce star, s'il fait peur. Ouais. Toujours le star qui. Il y a des prises, ouais. Hop là. Oh, ouais. J'ai ouais. Un gros freeze au jump. Non, bah, de toute façon, oui, we learn from it. Mais, ouais, mais c'est vrai chiant. Que c'est chiant parce que... Regarde, la map, elle est insane. Elle est, et ouais, en vrai, elle roule bien. Et en vrai, tout est fonctionnel. Mais voilà, une fois qu'on est sur serveur avec 100 personnes, bah, c'est un poste. Et en vrai, c'est chiant pour ça parce que ça freine de ouf à la créativité et tout. Bon, ça, c'est depuis longtemps, hein, mais même pour les mappeurs... de manière générale, mais... On est bien. Je trouve ça trop triste. Mais de toute façon, ouais, comme je disais, c'est... moi, ça me fait plus chier pour Chimetix parce que bah, je trouve sa map vraiment cool et elle est pas trop jouable. En soi... Mais en soi, pour l'événement en tant que tel, on va passer à la map d'après et puis... Oui, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est pas très grave. Hein. Au moins, vous avez vu... Dommage pour la map. Enfin, elle a l'air d'être trop bien en plus. C'est dommage. Elle sera dans la campagne, jouable, oui, voilà.
Et puis elle a normalement AQLX lui a fait un beau screen, donc on pourra peut-être faire un wallpaper. Un petit top 1 là, allez. Allez, allez comme ça. Oh là là. Oh là. Ça donne les points. 1, 4, 5, 7. Putain, moi j'ai fait un crash qui m'a coûté 3 secondes 30 et je fais 5ème du coup. Les gars. Ouais. Allez. Les gars. C'est maintenant. Vous savez ce que ça veut dire. Ah. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai release un peu en mode. La même. Je vais faire ça dégueulasse juste pour éviter les lags et je perds une seconde quoi. Ouais, mais c'est pas plus mal. Tu seras gagnant derrière au cas où. Allez, objectif top 5 là. Ça remonte. Faut que ça remonte fort là. Oh, je suis un joueur plastique. Prends-moi, bien aussi. Non, j'ai perdu la guerre à la fin. Ouais. Ah, c'est fou! Allez, le top 10. Oh, ça va être serré. 110 points. À un point, on est devant. On est devant d'un point, je crois. On est devant? Ah ouais? D'un point. Même plus, non, mais même plus. Ils ont pas fini leur jeu. Ah non, non, ouais. Il manque encore. Mais non, mais c'est bon. Oh là. Comment on les fume, sérieux? On les bouffe! Ah. Team 4090, comment on les fume? Parce que là, c'est ça qui est horrible, c'est que moi, de mon côté, j'étais en mode, bon, oui, j'ai moins de FPS, mais ça va. Pour partie, pay to win, mesdames et messieurs, voilà. Ah, peut-être que la chute des off pouvait carry un peu, ouais, tout à fait. Ouais, je attendez, peux je traverse la map, mais. T'as une fusée avec les flammes derrière. Je sais pas si vous avez vu, il a fait les W en néon sur certaines structures là. Ah oui, il y a quand même les blocs qui bougent au-dessus des structures où il y a le W justement. Yes. GG, let's go. Non ouais, en vrai, gros big up à Chimetix parce qu'il fait partie des gros mappeurs de pool party. C'est Cobble la prochaine, je m'abuse. Ouais. Oh, je suis Team Melon. Oh, je bouge pas. Oh, je suis avec Chimetix, je vais pouvoir l'insulter, let's go. Ah, eh bien, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Ouais. Bonne fin de PP à toutes. Putain, je bouge pas, la dinguerie. Spooky Party. Merde, mais je dis Spooky Party, mais c'est le début des noms de map à chaque fois. Putain, ça fait vraiment trois fois du coup bonsoir. Que je dis Spooky Party à chaque fois, je pense. Hein. Bonsoir, soyez bonsoir. Soyez gentils, s'il vous bonsoir. Plaît. Bonsoir, Chimetix. Ça va, mon super oui, bro? Oui, ça va très bien. Bon, la prochaine fois, bah, on fera moins de déco, hein, du coup. Non, mais ouais. Elle était très belle, ta map. Hein. Ah, elle était insane, ta map, mec. Hein. J'ai fait un peu le forceur, j'avoue. C'est une dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas un peu le lore, faut comprendre qu'au début, la map, elle était à 100 000 coppers. En gros, les coppers, c'est un peu les unités quand vous posez des blocs. Et on a réduit x2, quoi, mais ça suffit pas. Et ça suffit pas. En fait, ce que je disais aux gens, tu l'as peut-être entendu sur le live, si tu l'avais, mais ce qui est trop triste, c'est que... Bah, en solo et tout, tout va bien. Mais dans la situation serveur avec 100 personnes, bah, c'est là où ça part en couille, alors que... Et en plus, c'est intestable, parce que du coup... Bah ouais, j'étais avec Isto et tout, et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Ils m'ont dit, bah, en fait, on peut pas tester en conditions réelles, quoi. Donc bon, dommage. Les gars, petit test à 100 joueurs, là. Vous avez pas 100 joueurs sous la main, les gars? 100 joueurs qui peuvent ne pas leak la map. Si voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, en plus. Bah ouais, c'est clair. Ouais, il y a eu des petites décos. Il y a des gens qui sont partis. Mais en fait, le problème, c'est que la map d'avant... J'enfonce pas le clou, hein, t'inquiète. Mais non, forcément, bah si, je pense qu'il y a des... voilà. Il y a des gens, ils ont réfléchi un peu trop en mode « Bon, bah lag, du coup, je me casse », alors qu'en vrai, bon, bah là, voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème, quoi. En vrai, ça s'est calmé au milieu de la partie, le lag, hein. En fait, moi, j'ai pas compris, parce que le warm-up, c'était nickel, et après, c'est... Ouais, ça a été cata juste après, quoi. Alors moi, je peux rien dire, enfin, j'ai la chance d'avoir une 4090, et même au global, un PC de baiser, donc... J'avais juste moins de FPS que d'habitude, mais c'était pas horrible, quoi. Moi, je joue à 10 FPS, je crois. Les premiers rounds avant le restart, je joue à 10 FPS. Et tu dirais que la pause a aidé? Oui, complètement. Ok. Ouais, t'as gagné 10 genre, FPS. Genre, je suis passé 10 FPS à 40 FPS, donc c'était jouable. Ah ouais, non, quand même beaucoup, ouais. Ok. Mais en tout cas, map de Cobble, que j'avoue, je trouve très très cool. Il a vraiment build en mode un peu comme si c'était une grotte en continu dans laquelle on sillonnait. Très 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 sympa. Moi, je pense que je mettrais plus sur toutes les maps parce que... Je crois que j'ai même pas voté pour ma map en fait. Dépité. Ouais, la map est vraiment bien. J'aime bien la Way. Je trouve que la Way, en fait, elle a un truc où au début, tu la comprends d'une certaine manière et au fur et à mesure de la rouler, elle se dévoile un peu, je dirais. Et ça, je trouve ça intéressant.
y a que ouais, cette espèce de mid-map là où on prend un bloc puis un réinitialisé. Quand on est trois à l'intérieur, ouais, ça nous... Ouais, il y a le cruise control là, ouais, c'est vrai ouais. Que c'est... Je dirais que c'est la partie que j'aime le moins de la carte, parce que trop à l'intérieur, ça marche pas trop. Et j'aime bien la fin, je trouve que c'est une hardway assez chill, donc c'est cool aussi. Dégueulasse, c'est les deuxièmes du classement. Nous, on est loin. Oh, nous, oula, on est tous... T'inquiète. Nous, on participe, on passe un bon moment, c'est déjà... Ah c'est ouais, bien, non, on est là comme toutes les pool parties. De toute façon, on est 5, donc c'est vrai que déjà, à partir de ce principe, ça risque d'être... Non. Oh, j'ai clip l'intérieur du rond. Oui. Parce qu'en fait, quand t'es plus nombreux dans ta team, c'est pas grave parce que le dernier rapporte pas de points. Quand t'es moins nombreux, bah juste... Ouais, faut que tout le monde rapporte des points en gros. Quoi. Ouais. On n'a pas encore fait un système qui puisse permettre aux teams qui ont moins de joueurs de gagner plus de points pour compenser. Ce serait un peu... Il y avait possible. Un truc que je me demandais, c'est quand on finit une map, on a le classement à gauche, mais on sait pas combien de points ça rapporte. Ah, pas mal. Oh non, je vais battre Wingo, oui. Là. Oh non, là, les FPS sont nickel. Là, il oh, là, y a des menteurs. Là. Ah, il y a encore des gens qui ont mis... Non, c'est pas vrai. Ouais, il y a eu... Il a dit les FPS ne le sont pas, mais là, les FPS le sont. Hein. En tout cas, moi, je suis full fluide, là. Oh, j'ai traumatisé des gens, aujourd'hui. C'est d'un coup, là, maintenant, ils voient leur écran avec moins de FPS. Ils sont en mode, ah, et je sais ce qui s'est passé par là. Ah ouais, maintenant, on pourra dire, tu t'es fait chez Metix. Ah ouais, putain. Putain, j'ai une bonne run et c'est pas assez... Oh, c'est tellement oh close non, devant non, non. Allez, dernier round. Allez. Non, j'ai clip à droite, putain. Non, bah. J'ai pas trop le start en vrai, moi. Il faut être vachement greedy sur le start, je crois. Bon. Start pourri, je vais essayer de remonter un petit peu. Oh non! Oh, je... Oh bah, je viens de big crash! Oh bah. Finito. Top 13, ça va. Nice, bien joué. C'est même très bien. Et comment je me retourne là? Hop là! J'ai pris le hard fini, j'ai gagné 10 plages, je suis passé 78 à 68. La map d'Antao, elle me donne trop envie de la hunter pour le coup. Ouais. Ah, moi, c'est ta map qui me donne trop envie. En vrai, c'est la way que j'ai préférée pour l'instant. En plus, c'est du speed plastique, donc quand t'aimes bien ouais. Le style, t'as trop ah, envie. Ah, j'avoue, de jouer, quand j'ai vu le plastique orange, ça m'a intéressé. C'est vrai que le plastique était bien orange. Et Team Mang, ils ont fait combien de points? Ils ont fait 3638 points. Ils ont explosé le lobby. Et ben, on va arriver sur la dernière map qui est la map de Kinurat, du coup, je pense. Oh oh. Map de Kinurat. Je suis Team Ananas. Oh, je vais être avec Nitro, tiens. Team Ananas, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Nitro. Ouais, Wingo. J'ai vu qu'il y avait Nitro. Ouais. Oh, j'aime bien ce que je vois. On grimpe et tout là. Oh là là. Oh, c'est quoi cette map incroyable? Vous avez kiffé la map d'avant? Ouais, franchement, elle était cool. Je m'exprimerai pas sur le sujet. Juste la hardway, si tu la rates, bah, pour la corriger après, tu peux pas quoi. Faut double respawn CP. Ouais. Mais c'est vrai. Bah, sinon, ils ok. Oh là là. Du coup, c'est vrai que comme toutes les maps, on les a. Elles ont eu leur nom spooky. Oh putain, les fantômes qui se déplacent. Ça fait bader, hein, les fantômes qui se déplacent, comme ça fait trop peur. Hein. Elle est incroyable la map en vrai. Ah, elle a un petit mood mini RPG. J'aime beaucoup. Sur certaines sections. On est 3 ici aussi. La game d'avant, on était 3 dans la team en vocal. Ouais, je crois que la troisième map a fait mal. Quelques personnes qui sont parties.
Bonjour, je peux m'incruster, y'a personne avec moi chez Pastèque. J'étais tout seul en vocal, genre, super. Bah non mais tu fais bien, vas-y viens. J'espère que mon prof n'est pas sur ce stream. C'est qui ton prof? Je suis bien en cours là. Ah merde. Salut. Genre au moins 5 minutes pour faire le tour dans la décoration parce que... Ouais, de ouf, parce que ça s'est donné hein. Mais c'est vers le dernier turn, t'as un fantôme qui sort d'une porte, c'est très stylé. Ok ouais. Oups. J'aime trop les mains, les mains dans le cimetière là, elles sont trop stylées. Mais il a Ryu, les mains d'une ancienne map que j'avais fait. Et genre il les a risquées, ils sont tout petits, l'idée est trop bonne. Oh putain. Ouais franchement... le pauvre, j'avais Chimetix avec moi en Vogue, donc c'était la map 3 là qui a bugué. Et il était dépité le pauvre. Ah tu m'étonnes. Ouais c'est les blocs qui bougent là qui niquent tout non? Bah on sait même pas en vrai. Pour le coup... c'est le serveur. Bah si ça a été les... On a checké, c'est les blocs. Ah c'est les blocs. Ok. On a traversé un cimetière en permanence là, un peu en mode... ça faisait un peu western je trouve sa map dans l'idée. Non mais toutes les maps étaient incroyables hein. J'ai joué ma peur. Ouais franchement je suis trop content de ce qu'ils ont fait. Le lobby était pas mal. Ah bah oui hein. Tu m'étonnes que le lobby était pas mal. En plus j'ai l'impression que tout le monde s'est régalé dans le lobby donc c'était rigolo. Ouais c'était bien marrant. Des insultes de la part de Ricus mais... Tranquille. Il y avait une citrouille un peu mal placée où tu bounçais dessus qui est en plastique. Enfin, bref. Oh je suis dévasté, j'ai vraiment bounce. Ok. Et le finish. Ouais trop bien. Oh oui, 7ème c'est beau. J'avais pas vu qu'on était autant dans la team et y'a personne en vocal. Bah moi y'a moi en vocal quoi genre. Mais ouais, non franchement je suis trop content. Et puis surtout que c'est des mappers pool party pour la majorité. Donc c'est vraiment des gens que, comme je dis, c'était des pseudos que je connaissais pas spécialement. Et voilà, on les a DM en mode voilà, il y a ce projet, est-ce que vous êtes chaud? Et ils ont tous été instantanément chauds avec des idées de fou. Ils ont mappé vite hein, parce qu'en vrai ils avaient globalement terminé leur map au bout de 3 semaines après qu'on leur ait demandé. Mais même pas hein, tu sais qu'on leur a demandé les maps genre quelques jours après ils nous envoyaient des trucs en mode bah j'ai testé ça, j'ai fait 2 heures et genre la map est déjà finie, et ok. oui c'est vrai, c'est non, vrai. Mais les monstres, il faut avoir de l'inspi pour faire des bonnes trash. Enfin, franchement, elles sont trop bien. Puis ils ont bien utilisé les blocs custom aussi, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, de ouf. Oh, la pierre du start sera mon tombeau, hein, vraiment. Non, moi, j'ai pas eu de problème, hein. Franchement, je sais pas. Ah, je viens de me taper une roue dans un coin, mon gars. Ma voiture est partie, elle a fait un 3-6. Hein. Ah, ouais, temps, ouais. C'est les vieilles pierres TM2 là, toutes buguées. Il serait temps que quelqu'un sorte des bonnes pierres. Ah les gars, je sais que vous aimez bien ressasser le passé, mais là, il y a des moments... Oh non, vas-y. Aïe. Allez. Oh non, Yannex trop fort, là. Il me met 0.5 dans la gueule. Je fais deuxième, il me met 0.5. Non, franchement trop bien. Je dirais peut-être moins poussé dans la déco que certaines autres qu'on a pu avoir avant. Mais celle-là, c'est plus l'inverse. Tout à l'heure, je disais que c'était un peu 60% déco, 40% way pour la majorité des cartes dans... Ce qui influence ton vote. Ouais. Mais là, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Why you all plus plus? Mais mec, t'es en spec. Pour... 100%, hein, 100%, c'est un mec en spec random qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Il y a pas de fruits devant, donc je pense que ouais. Bah oui, il n'y a pas de fruits devant, oui. Bien vu. Why you all plus plus? Bah, because very good map, dude. Ah, il a quitté. Ah. Long. Il aurait pu plus plus avant de quitter, quand même. Bref. Pas mal parlé sur le sujet. Ça se trouve, c'est juste un mec random qui connaît pas TM et il se demandait pourquoi tout le monde était plus dans le chat. Oui, je te jure, c'est sûr. Ouah, j'ai pris. Ouah, ok. Bon. Ah. Petit incident. Je suis 3 tellement tôt. Wow. Moi, je suis non, un, mais... généralement. Non, mais les fraises, Sapi finit à 26 millième de Yannex. C'est bon, on a compris. Mais vas-y, je finis 7ème, mes coéquipiers, ils sont plus de 50, genre. Ok, allez. Allez, le podium. Hein. Allez, on y va. Ah ouais, J'ai sorti un énorme jugement, mais enfin, c'est pas... Après, moi, je jump plus tard et j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes, mais... Oh, non, moi, j'atterris toujours à peu. J'ai tendance à vouloir aller vite, en gros. Ah, ok. Excuse-nous, Usain. Après, je sais pas. Ok, moi, je joue PP parce que je m'en fous de perdre. Oh, les cailloux. Qui a mappé ça? Ah, moi, j'aime bien... Je préfère aller vite, tu vois. Et genre parce qu'en fait, moi, j'ai des joueurs pas streamer, mec. J'ai raté le saut, joueur. Non, ah, nice, voilà, on est à côté, c'est bien, c'est bien.
Oui. Bon, le streamer est visiblement un peu joueur quand même. Mais tu commençais à jouer à Thème, je n'étais pas né, oui. Ah oui, quand même. Bah, je pense, hein, en vrai. T'es un 2004, du coup, ou... 2007. T'es un 2007. Bah, du coup, 2000. Tu as tout à fait raison sur cette phrase qui fait peur. En plus... Oh, la vieillesse, là, elle tape d'un coup derrière la tête. J'ai pas commencé Thème il y a longtemps, moi. On passe 3, on passe tout à fait 3. Un jour, j'ai vu une de tes vidéos sur YouTube, je me suis dit, mais c'est qui, ce mec? Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, c'est bon, c'est fini. Bravo Anna. Pour l'édition bravo. Halloween. Ouais. Eh ben écoutez, bon voilà, pas de chance pour la map 3, il s'est passé ce qui s'est passé. Vas-y, Bucky gagne, cringe. Bucky gagne, ah oui, j'avoue. Relou. Mais, ça va la team aussi, quoi. Mais c'était trop bien. J'avoue, j'ai trop kiffé. Très cool. Et du coup, bon voilà, ça vous permet de savoir, ça arrivera dans d'autres occasions avec d'autres événements du calendrier, n'est-ce pas? De faire des petits trucs comme ça. Bon là, c'est pile le jour même, donc du coup, c'était cool. Mais, rendez-vous le 25 décembre, du coup, hein. Oui, évidemment. Bah, exactement, rendez-vous le 25 décembre. J'aurai rien d'autre à foutre, en plus, c'est l'avantage. Après la dinde de Noël, là, vite fait, pool party. Hop là, si vous voulez fourrer pool party, ce sera l'occasion, bien sûr. Non, mais merci. Bon, moi, ouais, bisous, bonne soirée, merci d'avoir participé. Yes. Et puis, merci, on se revoit dimanche pour une deuxième édition de pool party cette semaine. Oui, à quand pool party sur Minecraft? À quand? Ouais, jamais, carrément. Mec, un nuage, c'est pool party.